Je me tape ses nerfs à force de me dire que c'est pas grave de rater ses coups, puis de me trouver tellement immature que ça me fasse chier à ce point-là. Tu me suis? Je suis pendue à tes lèvres. J'ai rien qu'envie de swinguer par la tête le trio de Tiger Woods qui me devance dans la vie. Tout ça pourquoi, hein? Ça te tient en forme. Au 14e, je me décourage. Je lance mon fer 7 comme un javelot dans le fond de la forêt, avec le sac au complet. On se sent mieux. Je retourne à la voiture. Je prends le chemin du retour. Le vent est chaud. Je suis derrière le volant, dans un demi-sommeil. Pourquoi tu t'arrêtes pas sur le bord de la route dans ce temps-là? Je rêve que j'ai conduit et puis je suis en train de rêver en conduisant. Ça fait que ça m'a fait à peu près en ligne de droite. Seigneur! Je rêve, mon père, à toi qui m'attends chez nous, son bâton dans l'arrière. Je suis sûre que non. À la fille de l'infection. Ah? 25 ans tout juste. Des yeux, un sourire. Elle est maléfique. Elle pourrait être ta petite fille. C'est un mélange de tout ça, en fait. Ça fait le droit, un droit à la fille de l'infection. Tous les trois ainsi sur la bâton dans l'arrière. Sur le dos de Valérie. Pas pire. Ensuite. Ensuite. Je sais pas. Ça ne nous avance pas beaucoup. Tu es en train de rêver en conduisant. Tu reviens dans la ville. Je sens les bosses sur la route de la campagne qui défient mon toucher de mes pieds. Pendant que je suis sur le dos de Valérie avec toi. Sur le fleuve à Tavoussac et sur le chemin de retour de moi en temps.